confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma vidéo sur Windows XP Pro sur Raspberry Pi. Alors, comme vous pouvez le voir, Windows XP est émulé avec Kemu. C'est un programme open source qui permet d'émuler toutes sortes de systèmes d'exploitation. Alors là, j'ai installé Windows XP Pro, le dernier, le Service Pack 3. Voilà le menu démarré. Alors c'est assez lent par contre. Bon là il venait de démarrer, c'était un petit peu lent mais ça va encore. Mais c'est pas super rapide. Déjà je trouve que Windows XP était pas très rapide à l'époque, mais là c'est encore plus lent. Voilà le menu programme. Là j'ai ouvert Internet Explorer. Par contre, j'ai encore pas réussi à le connecter à Internet. Si vous réussissez à le connecter, envoyez-moi un message et dites-moi comment vous faites. Voilà, j'ouvre Run qui permet d'exécuter des commandes. Je tape CMD pour ouvrir la fenêtre DOS. Là, je tape ipconfig. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de configuration internet. J'ai pas réussi à configurer le réseau vraiment. Alors c'est assez lent parce que vous avez Raspbian qui tourne sur le Raspberry Pi. Après Raspbian fait fonctionner le programme Kemu et dans Kemu on fait fonctionner Windows XP. Voilà le disque dur C. Voilà les propriétés du disque dur C. Maintenant l'installation de Windows XP avec Kemu. Alors là je suis connecté en SSH. Alors déjà j'installe ces paquets. Je vous mettrai tout le guide dans la description ainsi que les liens vers les fichiers à télécharger. Je crée le répertoire Windows XP dans home/pi. Ensuite je l'ouvre, CD Windows XP. En fait, je vais dans le répertoire. Et là je mets cette commande, je télécharge les fichiers de Kemu. Installation. Ensuite je l'installe. Vous rentrez cette commande. Alors la suite, il faut le faire directement sur Raspbian, dans le Raspberry Pi. Pas en SSH, sinon ça marche pas. Vous tapez les deux dernières commandes directement dans le terminal de Raspbian. Alors je suis connecté avec VLC Viewer à distance par la vidéo.
Voilà, encore la deuxième commande. Alors la première commande crée la machine virtuelle et la deuxième commande lance la machine virtuelle. Alors moi j'ai mis mon fichier ISO de Windows XP que j'ai décompressé dans Home puis Download, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Il faut juste dans cette commande, il faut vraiment marquer le chemin vers le fichier ISO, voilà comme je l'ai fait là, et après le nom du fichier .iso. Ensuite vous appuyez sur Enter et voilà, c'est parti, l'installation de Windows XP commence. Voilà, ça l'installe. Alors ça prend vraiment beaucoup de temps, l'installation dure plusieurs heures. Vous pouvez laisser tourner votre Raspberry Pi quelques heures, puis quand vous revenez, tout est installé. Alors des fois si ça bloque, il faut vraiment le laisser travailler. Ça prend vraiment plusieurs heures pour tout installer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Regardez mes autres vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.